Anita soit chez la salle. Et c'est par après, quand ils sont partis, qu'on a pu venir et constater les dégâts. Les maisons sont saccagées. Il y a des trucs qu'ils ont brûlés ici. Dieu seul sait s'ils n'ont pas volé. Nous attendons les propriétaires des maisons pour venir constater les dégâts et dire s'il y a quelque chose qui manque. Sinon, je ne sais pas ce que ces policiers sont venus chercher. Ils ont l'habitude de dire qu'ils sont à la recherche des rebelles qui se cachent ici à Mutakura. Nous, les habitants d'ici, nous connaissons, presque tout le monde connaît tout le monde. On n'a jamais vu de rebelles, on n'a jamais vu de combattants. Ils ont un prétexte de venir dire qu'ils sont en train de chercher des armes. Il n'y a pas d'armes, ils n'ont pas trouvé d'armes. Et ce qu'ils ont fait après, ils ont saccagé, ils ont brûlé, ils ont peut-être pillé. Mais c'est révoltant, parce que nous, on ne sait pas comment un policier, qui sait ce qu'il fait, comment il peut venir s'introduire dans un parcelle, dans une maison, sans autorisation. Et il ne laisse même pas chercher le propriétaire des maisons pour l'accompagner et voir ce qu'il va faire. Ils viennent seuls. Les gens qui s'approchent, ils les prennent, ils les amènent avec eux. De revoir leur manière de faire et de donner des directives aux policiers et de respecter la population. Sinon, la population, on dirait que la police est là pour nous faire du mal. Pourquoi ? Alors que c'est une police qu'on croit que c'est une police qui est là pour nous protéger et protéger nos biens.